It's this bishop's grave. Yeah. Were you friends? Yes. We never met in person, but we knew each other well. We exchanged many letters, even though our countries and languages were different. We truly understood each other. I am very much indebted to him. He gave me courage. Oh, I'm just blubbering. Don't mind me. By any chance... Do you know his best friend, Travis? Of course. Excellent. In that case, would you please give this to him? It is from Bishop. This? It is a lot of things, I suppose. Knowing it is your hands, I can have peace of mind. Now, let me light some incense before I go. Thanks. I promise to deliver it to my master. Please do. Yeah? Shinobu, the next match is ready. On my way. This better be good. Salut tout le monde, c'est RanixRoy et bienvenue sur Xtra Channel aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur No More Heroes. Donc on commence avec une très belle cinématique sur la mort de Bishop. Donc on contrôle toujours la disciple de Travis, soi-disant parent, que j'ai beaucoup de mal à diriger, en tout cas que j'ai eu beaucoup de mal à diriger dans l'épisode 6, si je me trompe pas. Tac 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 tac. Mais là ça va beaucoup mieux bizarrement. Je me sens bien, je suis en forme, je suis content de vous retrouver. Hop, on va. Est-ce qu'on peut passer par là? Il y a un coffre là. Alors, est-ce que je peux passer? Non, d'accord. Juste pour voir, j'essayais. Alors, hop, les méchants, ils attaquent. Hop, je sais que tu fais mal. D'accord, c'est pas grave. Premier coup de la journée. Allez, on débute la vidéo. Faut que je me lance. C'est parti, voilà. Hop, 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 le record marche très bien, je regarde encore. Et la musique est remixée de la musique officielle de No More Heroes. Alors je sais pas si dans le 1 il y avait celle-là. Mais en tout cas dans le 2 ça lui va très bien. Donc je suis concentré un petit peu quand même, je vais essayer d'avancer aujourd'hui. Parce que je pense qu'on est plus très loin de la fin du jeu. Parce qu'on est quand même 9ème. Au rang de... Et wow, 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 wow. On est quand même 9ème au rang des assassins de la ville. Hop, alors, s'il te plaît. Hop. Voilà. J'essaie de faire des nouvelles choses. J'essaie de trouver des nouvelles tricks. Ça pourrait être sympa. Alors, ok, ça c'est bon. Pizza. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Encore un là-bas. Tac. Des fois, je me demande si un angle de vue un peu plus élargi, ça aurait été pas mieux pour ce jeu. Parce que regardez, on voit quand même pas bien grand chose. Pour tourner, c'est un peu la caméra qui suit assez lent. Ah d'accord, il y a une porte, donc ça m'empêche de toucher. Voilà. Voilà. Tac, si vous entendez taper, c'est normal parce que je suis assis dans mon siège de bureau. Donc, et mes coudes tapent un petit peu contre les rebords. Enfin, mon fauteuil de bureau. Et... Tac. Voilà, 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 voilà. Là-bas, j'ai vu des coffres. Ils sont de l'autre côté. Il va y avoir du chemin, là, je pense. Il va y avoir du chemin. Qu'est-ce qui se passe, là?
Loser, voilà. Tac. Ça c'est fait. Donc on va passer par là, je suppose. Non, c'est fermé. Oh, tu sors toi? Putain, t'es un peu long à sortir. Parce que j'aimerais bien quand même avancer, mon gars. Si t'as beau être grand et sortir d'une voiture toute petite, il faut bien que je te tue. Ah là 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 là, je fais le con. Voilà, tac, ça c'est fait. Hop. Toi qui as un souci. Voilà. Tech. My way. T'es vachement long ce niveau. Je suis pas habitué, disons, dans ce jeu là. Parce que souvent c'est en trois parties, c'est-à-dire on fait déjà deux sortes de couloirs avec une sorte de sbire comme ça, et ensuite on a le boss. Et là, c'est vachement grand. Alors est-ce qu'on aura le boss directement? Est-ce qu'on aura le boss au bout de plusieurs longs couloirs comme ça? On ne sait pas, on verra bien, on verra bien. Donc au niveau des sauts, là je maîtrise un peu mieux maintenant. Hein. J'ai compris le système la dernière fois. Bien fait péter un câble. Ça me restera en souvenir, hein, No More Heroes, mais c'est vraiment un excellent jeu. Ouh, ça c'était sympa à faire ça. Ça c'était bien sympa. Donc là en face, je suis sûr qu'ils vont me tirer dessus. Il faut que je passe là-bas. Ouais, voilà, je m'en doutais. Hop. Et l'autre l'achève. Ah, loupé, fail, je suis tombé là. Est-ce que c'est grave? Est-ce que je peux remonter? Ah, des coffres, ça c'est intéressant. J'ai déjà pété les coffres parce qu'il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Ah oui, ça c'est déjà sympa. Allez, ah, je maîtrise les sauts quand elle veut, hein. Allez, la caméra, voilà, merci. Voilà. Ah merde. Parce que là, je peux pas donner le coup de pied. Je suis obligé de donner un coup de sabre. Donc c'est plutôt embêtant. Mais sinon, ça peut aller. Allez, hop, par là, par là. Attends, il va se calmer. On va y aller tranquillement. On va se mettre bien au milieu du toit. Pas sur le côté comme on voulait. Tac, tac. Et c'est fini. Voilà mon gars. Donc, hop, on va passer par là-bas. Excusez-moi pour ce petit fail que je viens de faire juste avant. Tac-a-tams. Tac-a-tams. Je suis beaucoup moins inspiré pour cet épisode. C'est bizarre cette profondeur là. On se poserait même la question. Bon, c'est une image fixe, hein, faut pas. Pour le fond, mais. C'est pas une photo carrément, on dirait pas un jeu. Enfin, on dirait pas de la 3D, quoi. Ou alors c'est juste un... Je pense que c'est juste une image en copier-coller sur plusieurs plans. What the fuck? La voix qu'il a... What the fuck? What the fuck? Allez. Et je t'ai coupé les jambes jusqu'au troufion. Et hop, je te coupe la torse. C'est parti, on avance. Où sont les prochains à souffrir? Oh non, 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 dis-moi que je peux remonter tout de suite, dis-moi que je peux remonter tout de suite. Oh, j'ai fait le con, j'ai fait le con, faut que tout je refasse. Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. À moins que je peux remonter là-haut.
Ah oh, putain, j'ai fait le con. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Ah là 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 là, elle est chiante avec ses séances de saut, celle-là. Ah franchement, ça, c'est un truc, je crois que j'y arriverai jamais. Pourtant, je pensais que je maîtrisais un peu mieux que ça. Non, c'est pas grave. Hop, on va remonter. On va remonter si c'est bien là. Alors, perso, là, j'ai pas vu d'autre chemin pour l'instant. Donc, ouais, on va remonter par là. Hein. Ce sera beaucoup plus rapide. Hop, hop. Et voilà, tac. Là-bas. Donc, on monte là. Maintenant, comme il n'y a plus de gars à tuer, ça va aller. Faut que je fasse gaffe quand même. Hein. J'ai fait un peu le boulet. Bon, c'est pas trop loin encore, ça va. Un petit sprint, ça serait sympa. Ah, je suis con. Elle court plus vite comme ça. Tac. Après, faut pas que je me loupe, quoi, au niveau des virages. Voilà, 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 voilà. Voilà. Hop. Et toi, t'es fini. Voilà. Et toi, là-bas, tu m'as saoulé. T'es chiant près de ton mur, là. Allez hop, toi tu te lèves, merci. Voilà, toi tu m'avais bien saoulé, tu méritais ce coup. Hop, on va passer par là. Oula, 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 attends, 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 attends. Faut pas que je me gourre là, c'est un saut là quand même. C'est passé et on a eu du cul parce que là, d'habitude je l'aurais loupé. Tac tac tac. Alors, en même temps, hop, je passe un petit coup. Là. Ah mais non, mais non, mais non, mais non, j'aurais dû charger avant, j'aurais dû charger. Ouais, oui, 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 c'est bon, vous êtes pas content. Moi non plus. This is bien. Hop. Crunch Age. Et on voit pas. Caméra mal placée, c'est pas grave. Ok. Donc là, il y a quoi? Il y a rien là-bas? Est-ce qu'il faut remonter sur le toit, je pense? Non, s'il te plaît. Voilà. Remonte sur le toit. Là-bas, là-bas. Vas-y, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok, là, je vais regarder parce que tout coup, c'est un fou plat. Et puis hop, on tombe. Hop. D'accord, on va essayer de faire. C'est déjà un... Ils sont quand même un peu plus durs qu'au début du jeu. Après, je trouve que c'est pas plus mal. Mais je vous avoue que je préférerais jouer très vite. Hein. Bon, je pense qu'ils ont voulu faire un coup du gameplay avec le saut là. C'est pas plus mal hein, mais. Je préfère très vite. Ah. Tac. On va arriver à point de sauvegarde. Alors là, comment je fais pour regarder en bas? D'accord, alors faut que je saute, faut que je fasse quoi? J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien, faut que je cherche un peu parce que je sens la connerie de tomber et tout devoir remonter. Déjà on va prendre ça là-bas. Bon apparemment on peut pas monter sur les côtés donc je pense qu'il faut que je tombe. J'ai pas d'indicateur. On va recharger ça pour l'instant aussi. Voilà. Et puis bon, on va sauter. Voilà. Ah, point de sauvegarde ici. Bon, vous connaissez un petit peu la sauvegarde ici. Tac, 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 tac. Alors, oui. Ça sent le boss. Entrepôt abandonné. Bah ils sont vachement grands ces entrepôts, j'aime pas ça du tout. En plus c'est assez vide comme décor, voilà c'est... Ils auraient pu trouver mieux comme endroit. Enfin vivement qu'on change qu'on va dire. On va récupérer les coffres. Bon, la vie ça je m'en doutais, et puis l'autre ça va être de la pile. Mais c'est bon. Voilà voilà. Et hop on passe par là.
Et voilà, boss, direct. Direct, direct, direct. Donc si l'épisode est pas trop long, attends, on est déjà 15 minutes de record. Donc si l'épisode se finit assez vite avec celui-là, on avancera. What do we have here? A young lady? You know, it's dangerous coming to a place like this alone. You ought to be more careful. Seriously, terrible things can happen. Oh, okay. I see it on the news all the time. Maybe that's why Captain America. It's what she wants. Two grown men to keep her company. Horny slut. My master's got his hands full, so I'm taking his place. Not that it matters. The result's gonna be the same. I don't have time for this. You're taking Travis's place? Wow. I gotta say, I'm feeling pretty disrespected. Just shut up and fight. Oh, listen to this whore. Acting like she's some kind of femme fatale. Shut up and fight, she says. She's really pissing me off. Seriously. And she's so rude. Reminds me of my complaining customers. Now, Travis, he knew how to fight like a gentleman. Sliced me in half, sure, but he did it with grace. I mean, come on. Put her there. Huh? You know, let's shake hands. Sportsmanship is paramount to a fair and clean fight. Hurry up and shake! Dirty nympho. Whatever. But which one? It doesn't matter. Your choice. The one that's throbbing. Destroy Spark. What the? What? Was this supposed to spark? Ring. A filthy skank! Yeah, that wasn't smart. I'll be sure Travis gets your head in the mail! Enough with your freak show. Now bring it. We're gonna kill you twice over! Bah ils sont sympas ces petits boss là. Ils sont bien sympatoches. Donc j'espère que ça va pas être trouche. Oh d'accord, 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 d'accord. Il y a de la vitesse. Ok, l'autre il m'envoie un laser pendant que lui il vient au cac. Ça sent ça, je m'en serais douté. Tralala. Ce qui aurait été bien avec Travis, c'est le. Ah la vache, ils ont de la vie. Alors je sais pas si j'en tue un, l'autre meurt aussi. Ce qui m'étonnerait un peu. En fait c'est la même personne coupée en deux. Avec un côté robotique et l'autre humain. Donc coupé par Travis. Donc ceux qui ont dû faire le premier doivent reconnaître. Peut-être moi qui ne l'ai pas fait, bah je ne peux pas le savoir. Donc je suis vraiment désolé. Du point de vue scénario, je suis un peu lâché en fait là, niveau Memory Rose 2. Ah, d'accord, il profite des miroirs. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon là? Alors là, c'est assez chiant. Bon, je veux bien que ce soit des boss, mais quand même. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, lève-toi. Et lui, je l'achève. Voilà, un de mort. Donc, à l'autre maintenant. Alors, faudrait peut-être que je trouve un peu de vie. Donc, est-ce qu'il y a des coffres? Est-ce qu'il y a des coffres? Est-ce qu'il y a des coffres? On va voir. On va essayer de trouver ça. J'en vois pas. Si, là. Oh yeah. Ça c'est bon. C'est très très bon. Allez, viens, viens mec. Alors là je pense qu'elle est en train de me taper. Même pas. En plus c'est un bug de caméra, c'est vraiment chiant.
Ah, mon fou, il a presque plus de vie. Allez. Et c'est fini. Allez, dis-moi que c'est fini. Ça y est, t'es mort. Il est où ton pote? D'accord. Ok, faut que je t'empêche de le ressusciter. T'es où, connard? Ah oui, mais bon, si tu descends pas, mais comment je viens de te chercher? D'accord, il va aller rester son frère, faut que je me dépêche. Enfin, son frère. Sa deuxième moitié. Voilà, toi, faut que je te chèvre un peu. Ah, l'autre, il va te défendre. Allez, vite, 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 vite. Allez, 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 allez. Il va être long ce combat. Il va être très long. Allez, s'il te plaît. Putain, les mecs, quoi. Ils ont des boucliers, ils ont des lasers. C'est bon, hein. Putain, mais je te coupe, là, quand même. C'est bon. Allez, t'es où, toi? Je sais pas si tu reçois des dégâts quand je tape ton frère. Viens plus ici. Il faut encore que j'aille le chercher de l'autre côté. Allez, 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 allez. Hop. Putain, ils sont vachement loin du terrain. Allez, allez, il reste plus beaucoup de vie là. Non, 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 non. T'es où? T'es là-bas. Mais viens ici, toi. Ok, va voir ton frère. Allez, hop. Faut l'achever, faut l'achever. Allez, vas-y, ma belle. Allez, 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 allez. Putain, il est chiant de se barrer. Il est où? 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 Là-bas. Ok, enfonce. Et c'est fini. Ah putain, la vache. Il était long celui-là, hein. Il était long. Tu sais faire que ça comme fin? Et elle s'est fait arracher un bras. Pourquoi? On ne sait pas. New Destroy Man mort. Bon bah lui là c'est sûr. Là on peut pas faire autrement. Hein. Si y a un No More Heroes 3 puis qui revient, c'est... Donc c'est un robot. On y en apprend un peu plus. Donc voilà, grâce à elle, on passe de Travis au rang du 8ème assassin à tuer. Maintenant, bah c'est un peu le dernier du classement, on va dire. Il n'y en a pas trop derrière. En tout cas, on n'en a pas rencontré. Donc on va sauvegarder ici. Alors l'épisode était assez long, je l'espère. On aura fait quand même pas mal de choses, on aura avancé dans le scénario. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur l'Extra Channel et gros bisous. Salut.